Bonjour, je m'appelle Ludovic, je suis copropriétaire de Chocolat Privilège ici au marché Atwater ainsi qu'au marché Jean Talon. Donc vous êtes ici dans la première micro-fabrique artisanale de chocolat au Québec. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment on prépare notre chocolat Soconusco, qui est une origine du Mexique. Donc on va partir de la fève jusqu'au produit fini, donc là-bas. Alors, cette machine s'appelle le tarare. C'est une machine qui, en fait, sépare la peau de la fève de cacao qu'on ne veut pas consommer dans le chocolat et le gel. Donc, vous avez ici les fèves de cacao qui ont été torréfiées préalablement. Donc, la peau est très friable. On sépare ici. Vous avez les segments de la fève et la peau. Donc, on veut séparer le tout. Donc, la machine va nous aider à le faire plus rapidement. Donc, ici, on a de la vanille. On a un sucre à base de sucre de canne et on a notre gruée qui est dans le fond. Donc le gruée de cacao, c'est ce qu'on voit ici de couleur foncée. Donc ça, c'est la fève de cacao qui a été nettoyée. Là, on va faire notre premier mélange. Donc on va le broyer pour obtenir une texture un peu sablonneuse, assez fine. Donc tout à l'heure, on voyait quelque chose qui était assez granuleux. Donc on peut voir ici, maintenant, on a quelque chose qui est vraiment plus en poudre. Juste comme ça, on pourrait déjà faire des chocolats chauds. Ok. Back. Et nous allons broyer cette poudre-là pour vraiment écraser encore le verre. Je vais vous faire une petite expérience, je vais le passer en plusieurs fois. Vous allez voir au fur et à mesure des passages, le produit. Ça s'épaissir. On va le repasser une deuxième fois. Vous voyez, si je le repasse, on va dire une troisième fois. Donc là, on est passé d'une poudre, comme on a ici, à quelque chose de beaucoup plus pâteux. Là, c'est déjà fabuleux. Alors on est à l'étape 5 qui est la conche. Donc en fait c'est pour raffiner le chocolat, donc la première pâte qu'on a faite. On va donc l'insérer ici, donc avec de la chaleur et de la friction, on va affiner la pâte jusqu'à très très fines particules pour qu'en bouche il soit crémeux et agréable. Donc pour avoir un produit onctueux qu'on puisse mouler, on va y rajouter aussi un peu de beurre de cacao. Donc une fois que le conchage était terminé, on transfère le chocolat dans cette machine-là. Donc vous voyez, on est passé d'un état pâteux à un état liquide. Après, donc dans cette machine-là, ça va pré-cristalliser le chocolat. Donc faire de telle sorte qu'une fois réfrigéré, refroidi, le chocolat va redevenir une forme dure, solide, pouvoir le croquer et le déguster. On ne voit plus aucun grain. Et puis au niveau gustatif, ben, c'est l'apogée, quoi. Voilà. Ludovic, c'est quoi ton critère pour recruter un producteur de cacao? Eh bien, on essaye, déjà au départ, on a sélectionné en fonction de l'origine de la fève. Donc là, ici, on parle d'un chocolat Soconusco. Soconusco, c'est au Mexique. C'est vraiment l'origine du cacao à travers le monde. C'est arrivé de cette région. On essaye d'avoir des liens privilégiés avec des petits producteurs pour avoir un produit de qualité à long terme. Est-ce qui leur permet à eux d'avoir des meilleurs rendements et des meilleurs prix pour leur faire de cacao. Ici, provenant de Soconusco, va faire en moyenne 5 à 10 000 km de moins. Donc ce qui est vraiment important pour nous, c'est sûr qu'on travaille avec une fève qui vient de l'extérieur, mais toute la transformation, on va dire que c'est du local. On travaille aussi avec les fèves qu'on utilise, ce sont des fèves qui sont biologiques, certifiées biologiques.